Yo. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, enfin un nouvel épisode, un nouveau jeu, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous nous attaquons au donjon de Nullbuck. L'amulette du désordre. Je suis très content de le faire parce que peut-être vous ne savez peut-être pas, mais à la base, comme j'ai marqué dans un peu dans le titre, à la base c'était une aventure racontée sur MP3 il y a très longtemps de ça. Si vous connaissez pas, de toute façon ça sera pas vraiment la même histoire, donc je vous conseille d'aller écouter ça. Vous pouvez encore en trouver le trouver intégralement sur YouTube. Je pense que ça dure entre 3 et 5 heures d'écoute, mais l'humour est là et franchement. Vous allez passer de bons moments. Nous allons. Je le dis tout de suite, je ne sais pas si c'est le début d'une aventure ou si c'est une découverte. Enfin, c'est une découverte parce que le jeu, j'ai jamais joué, mais est-ce que je fais qu'un seul épisode ou je fais tout le jeu en vidéo? Je ne sais pas. Mais sans plus de blabla, on va se lancer. Pardon, je suis désolé. Alors, difficulté. Ouais, non, hein. C'est quoi? C'est easy, normal, hard et super. Ouais. On va se mettre au normal. On va faire ça. On est parti. Option avancée tutoriel, on va le laisser. Caractéristiques auto, non. Genre du compteur homme, femme, non, on va mettre homme. Ça change, détermine si le narrateur ou la narratrice qui interviendra au cours de l'histoire pour commenter vos actions. Bon, on va laisser homme, hein. Je pense que c'est pas dérangeant. Avec de la chance, on aura peut-être, ce sera peut-être la voix du créateur du donjon. Alors, nom du profil. Profil 1, bon, on s'en fout. Mode, ouais. Tutoriel, oui. Caractéristiques auto, non. Homme de fer, qu'une idée de ce que ça veut dire. C'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on suit les aventures d'un petit groupe dans un MMO, dans un monde héroïque fantasy, qui sont nuls en fait. Vous passerez pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain. Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte.
J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà-senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette! Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins! Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon? Ben non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant! Donc vous voyez un peu, hein, ça pose les bases. C'est pas mal basé sur l'humour, il y aura toujours des petits pics comme ça à droite à gauche. Et essayer de reconnaître dans les voix qui vont arriver, parce que j'avais vu dans une interview qu'il y avait Merlin de Camelot et Perceval. Ok. On dirige le ranger. Ouais, j'ai préféré jouer au clavier souris. Je pense que c'est mieux. Stop! Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sceau lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Hey, le nain, l'elfe! Ah, punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, hey, c'était quoi ce bruit? Alors. Bah, faut que je retrouve mes compagnons. Donc, ici, on peut pas y aller. Ici, on peut pas y aller. Mais ici, on peut y aller. Ah, misère! Un orque! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. Non, j'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes, il est tout seul, ça devrait aller. Vas-y, dans le dos, tac. Tu m'as attaqué dans le dos. Alors, chaque personnage dispose de 2 points d'attaque. Enfin, d'action. Ouais, d'accord. Il peut faire une action et un mouvement. Ouais. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action, c'est-à-dire ouais, un sprint. L'ordre importe un peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer ou... L'inverse. Fais attention car certaines actions permettent de mettre fin au tour même s'il te reste des points d'action. Ouais, ça c'est connu. Je vais faire un point de mouvement. Comme tu peux le voir avec cet orque, l'orientation des personnages sont importants. Une attaque dans le dos. Meilleure précision et fait plus de dégâts. Ouais, ça c'est... Sans doute, hein.
Oriente-toi dans la direction de l'orque pour faire une attaque de dos. Bah vas-y. C'est le moment d'attaque et sélectionne l'attaque de mêlée dans la barre d'action. Ici, attaque de mêlée. Alors, tu trouveras ici un résumé. Des états qui touchent les personnages avec leur durée, leur nombre de tours. Tu peux voir encadré. La valeur d'esquive en pourcentage. Leur valeur de protection, leur niveau et leur dangerosité. Signifie que l'orque souffre d'un malus de caractéristiques pour deux tours. D'accord, donc si je le. Donc à droite, on voit que. Je lui fais un total de 96 pour la précision, donc ça c'est cool. L'orque, c'est un orque pressé, il est niveau 1, il n'a pas de protection, il a 0% d'esquive. Si je l'attaque, ok. Bah c'est cool ça. Ici, c'est le détail de la précision. C'est très important. Comme tu peux le voir, tu as un bonus placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer. Bah, c'est débile vu qu'on le tape dans le dos. Il suffit pas donc d'avoir une bonne précision pour toucher son adversaire. Attaque l'orque et mets-lui une bonne raclée. Aïe! Ok, je lui ai enlevé la moitié de la barre. À mort. Donc, l'orque est mal au point. Ouais, je passe ma souris, donc zéro esquive, machin, machin. Ok, deux tours. Utilise I. D'accord. Et là on voit le malus, machin, d'accord. L'arc est affaibli, cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique, sa résistance magique sont dégradées. D'accord. Il existe trois stades d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, ça signifie qu'il est affaibli. D'accord? Donc tu as la barre verte normale. Quand tu lui mets un coup à une certaine distance, enfin quand il lui reste un certain truc jaune, après il passe orange, après il passe ouais, donc de moins en moins bien. Ok. Pardon, je suis désolé. Ce volet permet également de voir les détails des affections. D'accord. Ici, c'est le malus de moins 1 au mouvement. Pour une durée de 2 tours. D'accord. Donc, si je veux le rattaquer efficacement. Je fais. Attends. Je. Ah non, faut que j'attaque direct. Ah, cool la petite animation comme ça. D'accord. Ah, je pensais que j'aurais pu. Ouais, bref. J'aurais pu, hein, mais c'est. Je voulais le contourner. Mais... Alors. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Alors, il gagne une part fixe pour savoir participer au combat et à monter. Hein, dépend de leur action. Ouais. Personnage qui tombe inconscient. Pendant le combat, subit un petit malus dans ses gains d'expérience. D'accord, donc là je peux cliquer pour soigner le groupe, machin, tout ça, ok.
Le ranger a perdu des points de vie. Ouais. Je peux le soigner si je veux. Soigne-le, lui donnant une... à l'aide de soigner le groupe. La santé ne se régénère pas entre les combats. Il faut donc veiller à les soigner. D'accord, donc... Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Donc le ranger, je viens de capter... Enfin, j'avais un petit doute, mais le ranger, c'est la voix de Merlin dans Camelot. Parfait, maintenant tu peux appuyer sur le retour et passer à la suite. J'ai gagné 200 pièces, ok, voilà. Youpi, tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un, du coup les autres ont fui. Ça va? C'était horrible, je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais... où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain? Non, on va avoir besoin de Sash s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Alors, attends. On peut aller à droite. Ah bah, je... Je peux aller fouiller la... Ah mais c'est dégueulasse! Ah ouais, je comprends pourquoi elle voulait pas. Elle voulait pas rester. Parlons. Alors, soit je vais à droite, le tapis m'indique comme ça. Donc, il faut suivre un chemin différent. Là. Je regarde, mais il n'y a pas l'air d'avoir une porte ou quoi que ce soit. Et là, c'est fermé. Donc, il faut aller à droite. Tiens, tiens. Il faudrait un nom à notre compagnie. Enfin, à ma compagnie, parce que bon, c'est quand même moi qui ai tout organisé. Ah, voilà le voleur. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle... on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1, j'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. D'accord, donc là ils vont nous apprendre à nous cacher derrière les objets. Alors la phase de préparation sert à placer ces personnages au début de combat. Ouais, tu peux placer les personnages dans une zone délimitée, d'accord. Déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc perdre ton temps à élaborer ta stratégie, d'accord. On va quand même te guider pour la première fois. Sélectionne l'elfe qui est à découvert. D'accord. L'elfe. Place-la à couvert sur la case. De toute façon, c'est là que j'allais la mettre. En surbrillance. Donc, on voit les petits boucliers là pour dire que je suis full protégé comme ça sur cette ligne-là. Et je suis full protégé sur cette ligne-là. Enfin, sur tout ce qui vient par là-bas et sur tout ce qui vient comme ça. Mais si le mec il est ici et il me tire dessus, il y a moyen que je suis touché. Après s'il est là, il me tire dessus, je le... Voilà. Ouais, la couverture complète permet de protéger des tirs. Elle donne un malus de 50% à la précision de l'attaquant. Et vous avez vu, j'ai cliqué une fois et il y avait une petite flèche et je pouvais diriger la...
Le regard de l'elfe. Maintenant, le ranger. Perso, j'aurais mis ici. Mais ouais. Place à couvert aussi. Demi-couverture. Hein. Et là, il faut que bah, je vais me mettre comme, comme ça. Hein. Histoire de regarder l'ennemi. Et là, je te place ici et tu regardes par là-bas. Voici l'ordre à laquelle agissent les personnages. Donc ici, l'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si tout ça est égal, le hasard décide. D'accord. Alors, quand tu seras prêt, appuie sur le bouton baston pour lancer le combat. Baston. Donc, l'archer. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. D'accord, donc cette ligne-là, ouais. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de deux tirs de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'un seul tir. Ouais. Ah mais si je bouge, je touche la truc et il va me tirer dessus. Retarder son tour. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. D'accord. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Et reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu peux laisser un autre personnage, ami ou ennemi, agir avant toi. Maintenant, retarde le tour du ranger. D'accord. Retarder son tour. La valeur n'est... Non, pardon, je suis désolé. Ah, oui. Bonjour, salut, bienvenue, bienvenue. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux. Mais il a un gros potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Ouais, donc ouais, on connaît hein, les voleurs, faut qu'ils attaquent sur le côté ou derrière. Alors, il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orque. Survole-le, pardon, pour voir apparaître sa zone de vigilance. Donc si je fais ça, d'accord. On voit que ils sont dans la zone de vigilance. Alors, si un de tes personnages entre dans cette zone, il subira le tir de vigilance. Un personnage qui passe en mode vigilance, sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer deux fois. Si le personnage en vigilance encaisse un dégât, ou qu'un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée. D'accord. Lors d'un déplacement, tu peux passer... Et tu peux quoi poser des du passage tu peux poser des points de passage en maintenant d'accord je peux lui dire tu passes là après tu passes comme ça après tu passes comme ça parce que si je lui dis là il va y aller tout de suite que si je lui dis tu passes d'abord par ici et après tu fais le tour comme ça d'accord puis cliquant cela te permet de créer un chemin personnage emprunter la place de... quand la zone de déplacement devient orange c'est que tu vas utiliser le sprint il te permet de déplacer consommer deux points approche le voleur en passant par les points de passage sur les cases en surbrillance tu vas pouvoir désactiver la vigilance de l'orque ouais puisqu'il passe pas dessus d'accord et tu vas pouvoir Ah,
D'accord, je peux rester appuyé. Donc, contrôle. Ici. Et ici. Et après, je fais ici. Ah ouais, tu te mets juste devant. Moi, je serais passé par derrière. L'elfe est une ancienne championne régionale de... Le coiffage de poney. Ouais. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Ça envoie de la case en surbrillance. Grâce aux arcs de visée, tu peux plus prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case. La couleur des arcs varie selon la précision. En défaut, les archers ne peuvent pas tirer sur un ennemi se trouvant au corps à corps, à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. D'accord. Déplace l'elfe sur la case de surveillance. Sélectionne d'abord l'attaque standard à distance, puis survole l'orque pour te préparer à tirer. Alors, ta portée de salvation en rouge. Dépend de ton arme et de certains... Donc, tac. Si un personnage, ami ou ennemi, est adjacent à la cible se trouve sur la ligne de visée, sera mis en valeur orange de ton attaque, peut la toucher par erreur. Bah ouais, forcément. Pourcentage de cela, Harry... correspond à 10% de ta précision. Il est noté en rouge dans les détails de précision. Donc ici. D'accord. Maintenant, attaque l'orc avec l'attaque à distance. Je le sens mal. J'ai touché. Ah, on a eu de la chance. Maintenant que la vigilance de l'orque a été désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la case en surveillance. Et lui quicher la tête. On va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, comme le voleur dans cette situation... Il t'apporte son soutien. Un soutien apporte normalement 5% de précision. Plus en soutien peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Ouais. Personne qui a un bon score de charisme recevra un bonus de précision augmenté pour chaque soutien qui bénéficie. C'est le cas ici du ranger qui, grâce à son charisme, reçoit... Précision au lieu de 5. Enfin, soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque. Ayant déjà agi ce tour-ci, pense-y quand tu orientes tes personnages. Donc on le voit la petite... On a vu les petites mains qui se donnaient la main. Enfin, les trucs qui se donnaient la main. Alors, mauvais choix lorsqu'a encaissé des attaques d'opportunité. Chaque personnage contrôle les trois cases devant lui. D'accord. Ah oui, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, d'accord. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. Si une attaque se fait un peu moins de dégâts, une attaque normale, mais elle ne peut être esquivée ou parée. Faut bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies ton déplacement. Bah ouais. Elle est venue tirer dessus.
termine le combat. D'accord, ouais, de toute façon, il est mort. Ah, punaise! C'est mon épée qui a ripé sur ma ceinture. D'accord, donc elle a fait un coup critique et l'autre il a fait un échec critique. Alors, regarde, l'arc a laissé son arc partout du butin en utilisant la fonction tout prendre. D'accord, il a laissé un arc qui fait 10-17 avec 5 de précision. On va regarder après pour le. Pour voir s'il est comment on appelle ça. Ouais. On va pas soigner le groupe. L'autre il a à peine été touché. Super, on a gagné. Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. D'accord, donc là il y a une porte. Là il y a quoi? Ah, fouillon. Des brocolis et du jambon. Tout prendre. Alors ici ça continue. Ah, la magicienne et le... Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Alors, fouillez la caisse pour trouver le levier qui me permettra de libérer l'ogre. Tu peux utiliser... C'est quoi cette touche? Quelle est donc cette sorcerie? Une flèche par là, une flèche par là... D'accord. Là, il y a une porte. Œuf, petite bière. On prend. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Voyons. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous.
Alors, ouvre l'inventaire pour voir ce qu'est l'orgue. Ouais. Ah d'accord, c'est là où. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire. Mais chaque personnage possède son propre équipement. L'inventaire a un point limité. Si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. D'accord. D'accord, on peut pas aller au-delà de 300... 350. Alors, tu peux consulter les caractéristiques de l'arme. La zone d'expérience. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi être possédées. Propriété magique supplémentaire. Les dégâts. Ouais. Précision, porte à l'arme. S'additionne premier. Ouais. La chance de critique. Et les dégâts critiques. Donc là, chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'un emplacement d'arme. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire. Équipe l'arc que tu viens de trouver. Naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde le portrait de l'ogre. Il dit qu'il a subi une blessure. Le personnage est blessé lorsqu'il tombe inconscient. Ah, Zee, c'est quoi sa blessure? La blessure endommage ses caractéristiques. Ils peuvent soigner grâce à des consommables. Bandage, trousse, machin. Tant que la blessure n'est pas soignée. Malus. Ah, il se serait cassé le bras. D'accord, il est niveau 1. Donc il faut que je prenne. Je clique un bandage et je clique sur utiliser. J'ai des noisettes pour les écureuils. 14-20. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Merde. Qu'est-ce que je fais, moi? 10-10, ok. Hop, je peux faire Richard. J'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. C'est pas très gentil, ça. La magicienne tient une carte du donjon, un journal de quête. Ouvrez-le pour voir de quoi il s'agit. Alors, que je mette la carte à jour. C'est quoi ça? Le donjon de Nullbuck, le donjon de... Ok. Alors, le journal de quête est dans la partie gauche. Il permet de consulter les objectifs. Donc, ici. Donc là, trouver les mecs qui restent. La carte est dans la partie droite. Elle sert à se repérer dans le donjon. Et se mettre à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Ah, c'est quoi ça? Porte barricadée ici. Côté des latrines. Et ça, c'est quatre principales. Donc les deux autres sont dans la pièce juste à côté. Et là, il y a une porte. Là, il y a le couloir. Là, t'as une autre porte. Là, t'as un autre truc. D'accord. Et carré dans la partie droite. Ok. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Oh! On va manger, les gars. Allez!
À la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Ouais. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez. Pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Compétences qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Ouais. Enfin. Le voleur derrière. Hein. D'accord. J'aurais mis le casteur derrière aussi. Alors, le ranger est un peu. Tire à distance, soutien, soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. Alors, augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Cette tactique peut être activée à la fois. Et là, en défense, augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. D'accord. Utile, c'est quoi? Ouais, les compétences consomment de l'endurance et un temps de recharge. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement sur vol de la barre, d'accord. Niveau 1, le ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe la position. Une fois activé, une tactique reste activée jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. La tactique peut être utilisée à la fois et l'effet de ta première disparaîtra si tu en lances une autre. D'accord. L'assaut est une tactique offensive ou la défensive est une tactique défensive. Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites pour ce combat. Précision apparaît avec un, ça signifie que c'est compétence qui ne peut pas rater. D'accord. Visez les yeux. Maintenant, avance avec ton ranger. Dans la case de surbrillance. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas précis, il a donc besoin de soutien à des autres personnages. Ah, et il n'aime pas porter les armures. L'ogre possède la compétence que vous voulez pas en parler. Ogre, ça signifie. C'est pour l'anesthésie. Approche-toi de cet orc pour utiliser ce pouvoir. À repousser un adversaire de deux cases. Comme le ranger est envergure vers la cible, l'orc subira un peu plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Et en plus, donc on va apprendre que là, si je repousse lui, il va taper dans lui qui va le blesser aussi. Et lui, comme il est à côté, il va le blesser. Blesser, bam. Il aurait touché son pote. La magicienne est fragile, mais c'est la spécialiste des attaques de zone. C'était dû nous a permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle est aussi. Garder l'intervention d'utiliser la voie de conséquence d'un accident de la magie. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour une attaque qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. D'accord. Il y a un archer. On va commencer à se mettre à couvert.
Niveau 1, la magicienne a deux sorts à disposition. Un soin des blessures légères et le redoutable tourbillon de voisins. Le sort consomme... D'accord, la barre violet, ouais. Un temps de rechargement, tu récupères un peu d'énergie à chaque début de... Ouais, c'est sa barre de mana. Sélectionne le tourbillon. Tourbillon de voisins. D'accord, donc ça c'est sa zone. Place le sort à la case en surbrillance, tu pourras toucher plusieurs. Hein. Ok, c'est parti. Toga, voilà. Oh, dans ta face. Combattanteur de voleur niveau 1 et la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être dos à toi. Attends, je vais avancer un peu. Alors. Comme il n'y a pas d'or qu'à porter qui soit dos à toi, retarde ton tour, laisse les jouer, peut-être que tu auras une opportunité. Alors, l'elfe est à découvert, c'est un personnage fragile, place le couvert. Compétence de l'elfe, le ricochet elfique. C'est une autre technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à deux cibles dans un rayon de 2 cases autour de la dernière. Ok. Donc si je vise lui, je peux toucher soit mes amis ou l'autre, c'est ça? Et tu auras de bonnes chances de toucher les autres orques. Attention, ce tir est spécialisé elf, qui peut être touché tes compagnons. Que là, si je le fais sur lui, il y a une grande chance qu'il touche l'autre, mais ça peut toucher. Hein. Ok. Oh là là. Oh là là. C'est pas possible. Oh là là. Oh bah il est mort. Super. Tac. Et j'utilise frappe sournoise. Ça va revenir celle-là. Ouais, je veux bien. Voilà, bon, on a perdu le gros. Ah bah ouais, mais il se relève. Alors, et voilà une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnages avant de prochain combat. D'accord. Donc quand il tombe, il revient, il a un tout petit peu de vie. Soigner le groupe. Il en reste plus beaucoup. Et on a eu un brassard. Protection 1, impact physique 1. Ok. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'il fuyait quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Oh, les jolis dessins. C'est quoi? Ok, bah ils sont encore... ouais. Donc. J'avais vu... De mes yeux vus, ici. Il y avait quelqu'un. Allez,
Revenez tâter de ma hache. Ah, il y a le nain, d'accord. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais. Et le barbare. Poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Ouais. Ouais, ça a l'air bien. On va la mettre là. Ouais. Alors. J'ai un arc. Attends. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est moi qui suis débile. D'accord, donc... Le ranger, on va le faire, on va le... On va l'avancer, comme ça. Et on va mettre un coup de fléchette. Ah, par contre... Visez les yeux ! Je vais mettre un coup de précision. Ah oui, mais ça fait que je peux pas jouer derrière, d'accord. Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ce compagnon et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Au moins avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier. Qui touche trois cases devant lui. Ah d'accord. Soit comme ça, soit d'accord. Bam. Et quand la zone reste trop dangereuse pour le moment, car tu encaisses deux attaques d'opportunité, tu n'as pas le choix. Termine ton tour. Même pas mal. Et les ennemis ont aussi des compétences. Tu peux être renversé par ces armes, mais si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique, un personnage renversé passe son tour. Il sera plus facile à toucher. Ouais. Le nain. Alors, de le célèbre Gurdil. Brillant qui a une vie d'avance. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le nain est en difficulté et risque de ne pas pouvoir survivre ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Je me mets en défense, ouais. La protection, la précision, l'attaque. Jusqu'au prochain tour, elle l'empêche aussi de subir des coups critiques. Personnage de posture défensive ne peut pas faire attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée. Ce personnage est étourdi, renversé, effrayé. Le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments du décor, comme des caisses un peu fragiles.
Honnêtement, il faut deux coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qui ne peut pas rater. Et puis après, on va se déplacer. Par là. On va aller aider Biloute. Oh! Il vient de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, un personnage qui est tombé inconscient en combat subit une blessure 3. La magicienne dispose d'un sort de soin à des blessures légères. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance. 5 cases. Où est-ce qu'on tape? Ah bah ça va. Selon ce capable de t'infliger l'état immobilisé avec leur coup handicapant. Personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut pas se déplacer. Il est également plus facile de toucher ses adversaires. Ouais. Ça, c'est le voleur. Bah, le voleur. Ouais, tu vas te déplacer ici. J'espère qu'ils vont pas bouger, mais. Oh là là! La Ranger. Ouais, non, il y a trop de risques. Hein. Il est pas mort. Ah, il a un arc lui aussi, d'accord. Le Ranger. Bon, on va le finir. Hein. Ah, subit pas mal de dégâts. Hein. Et bim, dans sa mouille. Même pas mal. Et quand même un peu aïe aïe aïe. Hein.
Ouais, sur le techo, ça va le faire. La mort frappe sans bruit. Mon merde. Elle touche pas. Ouais, on va se rapprocher. Et je vais attaquer lui là-bas. Impeccable. Ah ouais, je fais n'importe quoi, bah c'est pas grave. Est-ce que je me mets là? Et je te remets une flèche. Toi, je vais te mettre un taquet. Prends ça, Bobiette. Et c'est une fin de tour. Ouais, j'avance trop, mais c'est pas grave. Fus baston. Ah merde. Sans soin, il arrive pas maintenant. Oh là là, il touche pas. Merde, j'aurais dû rester là-bas. Ouais, non, c'est pas grave. Ah merde, j'ai raté. Oh là là. Ça, c'est grâce à moi. L'opportunité, la phrase d'opportunité, c'était cool. Est-ce que tu peux flécher d'ici? Ah bah voilà. Raté aussi, ok.
Oh! C'est cool ça. Non, non, je lui tire dessus. Il se retourne, non? Dérouté. Les ennemis sont en déroute. Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir. Alors, ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. À toi d'arrêter avant qu'ils ne rejoignent. Okay. Bah, de toute façon, il est collé. Il y a attaque d'opportunité. S'il se barre, il s'en prend une. Bah voilà. Victory. C'était bon ça comme combat. J'ai bien aimé. Enfin, le barbare, il a bien bouffé, mais ça s'est bien déroulé. Dans l'ensemble. 5 pièces. Alors, antidote. Des bottes. Alors, une casserole. Ouais, c'est cool ça. J'avais soif. Eh ben. Tenir le groupe. Ah oui, ouais, je m'en doutais, ouais, c'est bien parti en sucette. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton, c'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. On a l'air bien mort, quoi. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, oui. Moi, je n'ai rien remarqué. Dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec Prudence. C'est qui, Prudence? Ouais, donc c'est une petite explication pour si tu t'en vas et tu reviens dans une pièce, il n'y a plus les corps. C'est marrant, franchement c'est marrant. C'est ce que je me disais quand j'étais plus jeune dans... à l'époque, quand j'avais fait... Resident Evil et Resident Evil 2, en fait, c'est ce que je me disais avec... avec mon pote Dark Mist, on se posait toujours la question si un jour on allait croiser cette fameuse personne qui nettoie les corps, les salles, et qui enlève tous les corps avant qu'on revienne. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. D'accord, là il y a une porte, là il y a le couloir, là il y a la destination, et là-haut il y avait un autre truc, il faudra revenir en arrière. Et c'est l'inventaire que je voulais voir. D'accord. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Ne pas mélanger les potions, sinon y a quoi ça là-dedans peut exploser. Ah, c'est mon sac. Je donne rien à personne. Le nez est tellement petit, on le voit presque pas sur la photo, non mais. Ah non, pas mes poches. Bottes. Mouvement.
plus 1. Endurance 5. Ah d'accord, il y a les figures ici donc. Emplacement de bottes. Rien n'est équipé. Bah vas-y. Équipé. Boum, maintenant il a des bottes. Et je vais regarder un truc, déséquipé. Ah là là. Ah, j'ai l'impression que ça change un peu le truc. Le brassard. Comment ça détruire ? Brassard de rempailleur de chaise. Pour le ranger. Ah d'accord, il faut mettre le... Ah non, là-bas. Et il n'y a rien. Donc, le brassard équipé. Une casserole en guise de casque. Et bah, il est type pas mignon comme ça. Potion de soins mineurs. Petite bière. Force, courage, ok. Mandat, ok. Bon, bah, ça a l'air bon. On va y aller. J'ai envie de retourner en arrière. Ah. Ah bah cool. Des bottines. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Tiens, des bottes pour le nain. Je regarde. Hein. Oh, là, il y avait une... C'est quoi, c'est un accès, une porte, un truc? Non, il y a rien. Ok, on va ouvrir la porte d'en haut. Ok, c'est juste une pièce. Waouh, un coffre. Truc d'orque. C'est cool ça. Tac. Orc. Hop. Et ben ça avance, ça s'équipe. Donc maintenant, mesdames et mesdames, on retourne en arrière. Que j'ai toujours l'impression que je dis pas de bêtises. Gauche, tout droit. Ah oui, mais c'est l'ogre, je voulais regarder. Ouais, mais l'ogre, il a tout mangé, d'accord. D'accord, il y a un truc derrière une grille.
J'ai vu, mais je préfère fouiller avant d'activer, on ne sait jamais. Ce livre fait partie de la collection, les sorts indispensables pour novice. Il est couvert de taches, de gras, et une jordan. Ok. Et un bracelet pour elle. Ah bah. Attention à mes livres. Alors. Un bracelet. Alors, ok, je pense qu'il faut avoir les 4 pour que ça fasse quelque chose. Merde. Pourquoi je touche Oh, comment on a résolu l'énigme! Alors, tu ouvres, Michel? Bac d'intelligence, brassard. Il est où? Il est là. Le fameux brassard parfumé. Voici pour vous, mademoiselle. Bague d'intelligence. Intelligence plus 1. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Elle, c'est adresse intelligence. Lui, c'est force et constitution. Si ça sent, c'est mes bottes. Ouais, ça vend tous tes pieds aussi. Je suis toujours le plus démuni. Et ben voilà. C'est pour la demoiselle. Une petite bagouze. Bon allez, on continue. On continue l'aventure. Chrome n'a pas besoin de carte. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard! Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? On a un bisou, copain.
C'est qui ça? Ah bon sang, un piège! Je vous l'avais bien dit! Fallait détecter le piège, bon sang! Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Alors, un piège, c'est typique dans les donjons. Ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Pour activer le mode détection de piège, sélectionne le voleur en tant que leader. Détecteur, c'est bien. Le désamorcer, c'est mieux. Une fois un piège repéré, le voleur peut tenter de le désamorcer. Approche-toi de la statue et interagis avec pour tenter de le désamorcer. Ah oui, là. Tirez sur le bon loquet. Bien joué, un piège en moins. Quand tu désamorces un piège avec succès, le voleur peut récupérer une bombe pour l'inventaire du groupe. Ok, ça me l'a enlevé, c'est super. Par contre, d'accord, c'est la grille pour revenir ici au début. Ah, c'est de l'autre côté. C'est quoi cette musique de cirque, là, un peu clownesque? Ça fait flipper, ma parole. Eh bien, bonsoir! Oula, c'est quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune! Avec notre sponsor, les épées Durandil! Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles! Une saloperie de gobelin qui parle, c'est impossible! Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorise les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Baume. Avec les casques Le Baume, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Oups. Ça pue quand même. La bourse. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent! Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Bah ça c'est sympa. Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir, j'en suis sûr. On joue encore! Encore! Des pièces d'or! Encore! Trop bien! Mais non! Vous parlez. N'ayez pas peur, on lance la roue très fort! À tous les coups, on gagne! Avec notre sponsor, le shampoing Laureliane! C'est un très bon shampoing! Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Oh, démêler! Non, non, non! Il faut pas. Vous savez quoi? On va pas rejouer. Parce que. Je sens la baise. Non, moi je veux pas partir. Je veux encore des pièces d'or. Saleté nain. Regardez bien, à cause du nain. Banqueroute, comme par hasard.
sort. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Quoi? Tout ce qu'on a gagné? Le petit saligo. On va lui faire la peau. Remboursé. Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Il y a des trucs qui me plaisent pas là, le rouge aussi là. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi. Elles m'appellent. Il a complètement pété une durite. Allez. Ah là là, j'ai perdu 5000 pièces d'or. Oui, j'ai pas envie de rejouer. Moi je m'en vais. Non non non, moi je veux récupérer l'or. On peut se refaire. Regardez bien, à cause du nain. Et voilà, je l'avais dit. Le rouge. Le monstre. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins. On peut la vendre, je la veux. Mais, le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Fuyons! Galère. Eh bien, je dois rendre l'antenne. Et voilà. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le donjon facile. Avec le donjon facile, chacun est un gros bill. On n'est même pas préparé. Difficile. Qu'à partir maintenant, les niveaux de difficulté que tu as choisi vont vraiment rentrer en compte. Allez, c'est parti, donc. Là, on a qui? Le ranger. Super. Le barbare. Viens ici, mon poulet. Le nain. Ton courage. Rivastak. Salut, je suis le ranger de Loubet. Yato. Oh, le coup critique. Tranche tendon. Un effet particulièrement fourbe quand tu prends... des points de vie à chaque case de déplacement effectué. Pour résister au tranchant, tu peux aussi augmenter ta résistance physique. Quand tu subis cet état du mouvement... D'accord. Je vais le mettre là. Peut-être garder pour après. Oh là, non mais c'est quoi ça?
chaque truc rate, c'est bon quoi. Ouais, enfin non. J'aurais voulu le faire, mais le problème c'est que après je vais me faire gangbanger. Ouais, je sais, je sais. Zapivili! Même pas mal! Coup critique. Oh, au prochain tour, je vais me faire plaisir! Oh là, tu as tiré dans le dos de ses potes et tout. Oh, le ranger il bouffe. Fin de tour. Oh non, des renforts. J'aurais peut-être dû me mettre en truc de défense, mais bon. C'est quoi ça? Ah oui, je lui ai pas mis de potion ni rien. Alors. Voilà. Massacrons-les! Bah ça va, si eux aussi ils ratent... Merde! Ah putain, je vais devoir le soigner, je voulais faire ma tempête machin là. Ah bah non, je le soignerai après. Toga, voilà. Quoi? Oh, échec critique. Ah, attaque d'opportunité, fait chier lui. Bon, tant pis. Ah tiens. Attaque d'opportunité. Aïe. Sac à fiente de chèvre. Oh non! Même pas mal! L'ennemi est furtif maintenant, non mais attends. Merde! C'est compliqué, c'est compliqué! Mais bon, on peut le faire. Alors, le nain. Le nain. J'ai envie de le mettre ici.
Parce qu'ils vont arriver, et puis après ils vont arriver ici, donc après je vais devoir bouger la petite. Donc ouais, le nain, on va le mettre là. Dégage, t'es sur mon chemin. Ah oui, mais ça fait que je roule, il est plus... Regarde, on lui occupe sa gueule. Et tu bouges pas. Eux, ils viennent d'arriver. Après, c'est eux qui bougent. C'est lui et lui. Ta gueule. Zom cassé. Dans ta gueule. Oh non, mais non, c'est pas possible, les gars. Foutez de ma gueule là. Bon, toi, heureusement que t'es mauvais. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je te dis de faire du soin sur lui. À la Kazam! Voilà. Et puis tu bouges, tu bouges pas. Comme ça, quand je gros, il va taper, ça va être truc d'opportunité. Toi! Ah, vas-y, remets-lui un coup sur le. Ah bah voilà! Impeccable! Pouvoir se déplacer en finesse. Lui, il bouge pas. Tiens, bah tiens, je vais te faire venir ici, toi. L'elfe. Ah ouais, mais l'elfe, elle peut pas taper, elle peut rien faire pour l'instant. Fait chier, parce que dès qu'elle va bouger, frappe d'opportunité. À moi. Oh merde. Les mecs, ils ont des guns ou je sais pas trop quoi. Non mais attends. Et pourquoi elle peut pas faire des attaques sur les autres, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Défense pour tout le monde, hein. J'aime pas les orques, c'est encore plus laid que les nains. Ah, tiens. Oh non, mais c'est pas possible, les mecs, vous pouvez pas rater, quoi. Crame. Et crame, non, et crame, il est KO. Putain, tu vois, tu l'aurais buté, il se serait jamais arrivé. Je suis sûr qu'il t'avait pas vu à cause de ta taille. Frappe d'opportunité. Oh là là. C'est pas possible.
je te pète les jambes. Oh, tu me peux. Oh putain, non, c'est bon. C'est bon, le jeu, on doit mourir, c'est pas possible. L'aventure, c'est pourri le lundi. Et les autres jours aussi. Ah putain, bah on est lundi aujourd'hui ou quoi? Putain, il faut lui... Je peux pas lui faire. Il y a des chances de toucher le nain. Et de se toucher elle-même. C'est pas possible. À mort les peaux vertes. Tant pis, on tente. Oh putain, je m'en suis pris une. Je suis désolé chérie, mais là... me recule. Coucou. Pas loin sans tes rotules. Oh non, oh putain, c'est bon, il l'a raté. Mais merde, tout le monde y rentre quoi. Oh bah c'est bon, il a raté. C'est cool. Mais je m'en sors pas, c'est pas possible. Prends ça, fiente de poule asthmatique. Putain, lui, on est en train de crever. Comment on fait pour le reste? Il va mourir. Putain. Ça. Hein? Il passe de l'autre! Oh là là, ça tape sans tuer! Ça revient dans je sais pas combien de tours. Miam miam goubou. Togas, voilà. Voilà. Ah bah voilà, là ça fait zizir. Toi, je te crève. Je frappe sans...
mais pas sans douleur. Merde. Ça c'est bon. Oh, coup critique. C'était bon. Voilà, elle se cache. Oh non. C'est une savonnette. Bordel, c'est pas possible. Oh non, mais t'as pas le droit de rater. Sérieux, ça se fait pas. Des peaux vertes, on en fera des tambours. Lui veut jusqu'où? Jusque là. Elle s'en sort. Vas-y, tue-le. C'est pas possible. Foutez de ma gueule. Tu le fais exprès. Lui peut pas y aller non plus. Attends, il y avait pas attaque d'opportunité ou je sais pas quoi là. Ah, le tour il va se terminer, lui il va crever. Pas lui donner une popo ou un truc. Putain, on va perdre le barbare. Oh, fait chier. Oh, putain, j'ai fait le con. Purée les gobelins! J'y croyais pas, franchement. C'était un grand combat. Ranger gagne la santé de Chrome. On dirait que Ranger a gagné suffisamment d'expérience pour monter de niveau. Ouais, mais le problème c'est que mais non, j'ai cliqué, je voulais pas. Mais non, oh là là. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Le Ranger, il va crever. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Dis-moi pas qu'elle a pris la potion. Ha! Comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et sa roue aussi. Pas le sang en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre.
Elle a le même motif que ses sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux, les objets magiques. T'y connais rien. Hey, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non. Hey, galère. Hey, le nain. Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Bon, maintenant faut retrouver l'autre. Alors, sur la partie gauche, tu trouveras la fiche de personnage. C'est là que tu peux consulter les caractéristiques naturelles, c'est-à-dire, sans oublier, équiper et les augmenter quand tu gagnes un niveau. Tu trouveras aussi le jeu d'expérience. Ça, les caractéristiques que tu peux augmenter sont les caractéristiques principales. Adresse, force, machin, courage, influence sur le... Ouais. Aussi d'autres liens entre caractéristiques principales secondaires, ils ont été mis quand j'ai une caractéristique principale. D'accord. Chaque personnage en a un. Il est divisé en compétences actives et compétences passives. Pardon, numéroté 1 à 4 signifie que tu dois d'abord choisir une compétence de palier avant de pouvoir accéder au palier 2. Survol les compétences pour en consulter les détails. Donc, ouais, ça c'était la tactique des défenses. Tu trouveras une zone d'effet, le temps de rechargement, le coût d'endurance, ainsi que les effets infligés. Les codes compétences sont parfois fixes, mais ne sont un pourcentage. Description des compétences, d'accord. Maintenant, assigne tes points de caractéristiques, choisis compétences, valide ton niveau avec le bouton valide de changement. D'accord. Bah donc, j'en ai un. Je peux mettre soit premier secours, technique de soins au corps à corps, base de cataplasme. Non, puissance avec... cataplasme aviaire, gagne en puissance avec intelligence. Ou alors, premier coup. Un coup plein d'espoir naïf qui inflige deux fois plus de dégâts. Non, je vais mettre le... Un vrai leader avec de vraies compétences. On va mettre la santé, au moins comme ça il y en aura deux qui peuvent soigner. Les autres ils peuvent pas mettre, donc c'est bon. Hop. L'inventaire. Que je regarde vite fait. J'ai des noisettes pour les écureuils. C'est le foutoir là-dedans. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Ceinture en cuir, c'est pour tout le monde. Lui, j'ai une ceinture délabrée. Ceinture, pas de ceinture, pas de ceinture. Je vais te mettre une ceinture en cuir, toi. Soit tu auras des emplacements. Ah, mais oui, c'est ça. D'accord. Petite bottine.
D'accord, du genre brocoli, ça te soigne 8. Et guérit aussi l'effet empoisonné. Jambon 6 mois d'affinage. D'accord. Pardon, d'accord. Je voulais regarder la carte. Soit on monte, soit on descend. Mais moi je voulais regarder là. Là, ici. Alors, que je mette la carte à jour. Je me suis trompé. On a une tunique. Pas taper assez fort, plus fort. Ok, ça marche pas. Ouais, donc, à tout cas, bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressé par un magique amant? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, pouah! Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis pharmagicien, Pyrine. Tobias Pyrine, pour vous servir. Pharmagicien ? Ça consiste en quoi ? J'élabore des médicaments magiques, des magiques amants. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi ? Vous faites de l'esbouf ou des trucs concrets ? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général ? C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non ? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des magicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah ? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille ? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain ? Un nain... comme les autres. Mais pourquoi on le cherche ? On est bien sans lui. Non. Pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir. Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Glad Radolfa. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolphe Gras. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne, peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière ? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Alors, tu as acquis toutes les bases. Tu peux maintenant explorer le donjon librement. Tu peux retrouver toutes ces informations. Un plus dans le menu aide. Ok. C'est quoi ça? Ça, c'est. Les escaliers.
Attends, c'est mis où ça? Dans le jardin? Un bon de charge, les escaliers. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est ici en fait. Je vais peut-être revenir en arrière. Pour aller voir. Après, si ça fait comme là où il a voulu le casser et puis. Enfin, il a voulu le défoncer, ça n'a pas marché. On active le raccourci. Oh non, mais c'est quoi ce truc? Ils te mettent des pièces fermées, machin. Ok, super. Ah, la frustration, ils te mettent deux portes. Tu dois défoncer, mais deux portes, tu peux pas défoncer. Compagnon. Oui. Oui, oui, j'aurais pu aller chercher mon ami le nain. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Regarde bien, encore une porte qu'on peut pas défoncer. Et voilà. Super, ça vaut le coup. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. C'est qui ça? Pourquoi j'ai plus le voleur? C'est super. Alors, que je mette la carte à jour. Je me promène dans un endroit où je peux pas y aller. Là, il y a des escaliers. Et donc là, il y a les deux portes.
Regardez, une boutique. Peut-être qu'ils ont des sandalettes pour aller avec ma jupe verte. Bah, de toute façon, c'est fermé. Mot de passe. Ah merde, il faut un mot de passe. Vous auriez un petit indice? J'ai du mal à m'en souvenir. C'est facile. En trois syllabes, ça fait de la musique. Mandoline. C'est faux. Mot de passe. Ah merde, il faut un mot de passe. C'est facile. Mandoline. C'est faux. Ok, je pensais que je pouvais dire plusieurs trucs, mais non. Bref. D'accord, là il y a les escaliers. Bon, bah allons chercher le nain. Il y avait rien à se mettre sous la dent. Hein. Chapitre 2e. Une bière, deux maléfices, trois compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boisson, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut. Salut. Vous cherchez un nain? Ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative? De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque? Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez Samgave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la Vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Hé, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Oh, et puis merde! Et c'est quoi cette histoire de chef? Alors, à la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos sonne tous les points de vie et toutes les blessures du groupe. Mais il n'est pas gratuit, le prix augmente à chaque chapitre. Une statuette? Ah ouais, j'aime bien chanter statue-tête. Tu payes ta tournée? Laissez tomber, vous êtes bourré. Salut bourgeois, va mourir! Une statuette? Ah ouais, ça se boit ça, c'est un cocktail avec du rhum. Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire. Alors, elle est où cette statuette? Elle est dans ton cul. Et merde.
Non, je me suis éloigné là. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Chocolat, yum yum, glou. Une statuette? Contre un verre, je te dis où elles sont cachées. Katazou laf d'ortak. Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle. Mais oui, évidemment. Une autre. Croyez aller avec votre dégaine de traîne patin. Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns ne sont pas admis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Ouais, c'est sympa c'est comme endroit. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. J'essaie de remonter. Ah bah voilà, pour une fois qu'il y a une porte qui s'ouvre. Un parchemin pour nous. Ok, en plus, c'était des chiottes. Bon, on va aller là-bas, alors. Ok, c'est la cuisine ici. Quel genre de femme n'a pas de marteau de guerre? D'accord, donc là on voit un peu mieux le truc. Si on n'a pas tous les livres.
Bon, on se casse. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. D'accord, donc c'est marqué sur le... Tiens, on a trouvé la solution. Étrange, ça cache quelque chose. Un brassard de malandrin. Je suis toujours le plus démuni. Chrome n'a pas besoin de carte. Ah bah voilà, je suis pas obligé d'aller cliquer là-haut, je peux appuyer sur M. Et donc si je fais I, j'ai l'inventaire. Ok. Ça c'est cool. C'est cool, cool, cool. Alors, que je mette la carte à jour. C'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres. On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Parfait. Y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. J'ai trouvé une super hache du Randil. Hey, c'est pour moi ça. Bah c'est le nôtre ça. C'est à cause de l'amulette, je pense. Akala Douk Douk, copain. Bah. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hey, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Wow, non, 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 oh, non. Y a trop de nains. Y a 7 nabos maintenant, et ils sentent tous mauvais. Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face. Ouais, ça va être tendu. La vengeance des 7 nains sera terrible. Alors, la démon Ramona a décidé de se pencher sur les destins du groupe.
choisissant souvent des individus mentalement diminués, particulièrement malchanceux, sans aucune conscience du danger pour leur accorder sa bénédiction. Grâce à elle, tu as désormais accès à la jauge d'influence. D'accord. La jauge d'influence se remplit pendant le combat grâce aux actions malencheuses. Ouais. Plus tes personnages ont à faire ma chance, plus elle s'en remplira. Se remplissant les jauges de blocs, 4 paliers qui te permettra d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le tour à n'importe quel personnage. Quand la jauge se remplit, tu peux ainsi utiliser les compétences de dernier. Hein, plusieurs fois compétences de premier venu. Enfin, la jauge ne se vide pas entre les combats. Tu peux donc l'économiser. Prends bien soin de l'influence de l'un tu retournes. D'accord. En gros, quand les gars vont louper. Ah oui, donc. Un personnage jouant actuellement son tour bénéficie d'un poids d'action supplémentaire. Soigne les PV, blessures de personnages ciblés. Téléporte instantanément le personnage jouant actuellement son tour sur une case de votre choix. Et rend des PV de vie et soigne les blessures de 6 personnages du groupe choisi au hasard. D'accord. Donc, le ranger. Alors, nanana, nanana. Le barbare est ici. La paladine va pas bouger. Vous avez regretté d'être venu. Le gros il se met là. Toi bah tu vas caster hein. Quoi? C'est quoi ce délire? Ah merde, ouais, c'est pas grave. Ok, à nous. Ah, ça poutre. Alors, elle a la quoi? Une manifestation du marteau de la justice qui inflige des dégâts à une cible. La cible est étourdie, d'accord. Le paladin gagne un important bonus de parade. Les attaques au corps à corps
qu'elle part chaque fois une riposte, d'accord. Et une première qui augmente la protection. Aïe, ça fait mal, dis donc. Alors. Non mais elle l'aura toujours, c'est cause délire. On va y aller petit à petit comme ça. Oh, mais ça pique. T'as tiré sur ton pote. Alors. Oh non. Torgnole façon Gurney. Seul la peau foirée. D'accord. J'avais pas compris, mais on était dans un truc d'opportunité. D'accord. Ah, moi ça me...
Prends ça, Bobiette. Ouais, d'accord, c'est son tir en ligne droite et pue la merde. Pue la merde. Oh merde, j'aurais dû me mettre en protection. Merde. Dans ta gueule. Même pas mal. Oh, le coup critique. Tu l'as senti, mon marteau ? Non mais c'est pas vrai. Pff, laisse tomber. Défonce là. Non, les dents n'ont jamais mal. Tu pile poil dans son dos. Qu'est-ce que tu me fais? Merde. C'est dégueulasse.
C'est cool, je voulais voir si ça marchait et... Ça raise un pote, ça c'est cool. Qui va remourir. Même pas mal. Ouais, ça c'est vrai. Quand même un peu aïe aïe aïe. Non. Alors. Alors toi, je vais te latter. On va te claquer ça, on verra bien. Putain, ça marche pas, hein. Ah, tiens. Merde. Encore un peu de mal. Ça sent que c'est le début, j'ai pas tous les... Bon déjà eux on sent qu'au corps à corps... Une quichette. Voilà. Quoi? Fait lui. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Coucou. Bon, on a gagné. Comment on leur a défoncé la clavicule? Alors, ceinture, bracelet, arbalète. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. C'est bon, je l'ai bu. Ça fait quoi? J'avais soif. Bon, on va dire j'ai soigné le groupe. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction.
Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers ? Vous pensez qu'ils auraient des informations ? Ça coûte rien de demander, non ? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes ! À bientôt avec la fraîche ! J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leur parole? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard, peut-être. Promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP, alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens? Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Non, mais c'est pas possible. On a perdu un joueur. Alors, l'elfe. Bisous d'encouragement. Mieux que rien, c'est toujours pas grand chose. Prendre celui-là, hein. Par contre, zut, c'est le foutoir là-dedans. Ne pas mélanger les potions, sinon c'est mes bottes. Peut exploser. C'est elle qui avait pas de ceinture. Ah oui, il y a une arbalète pour le nain. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Il y en a déjà un bracelet. Ah non. Voilà. Et une arbalète. Maintenant, il a une arbalète. Bah voilà. Ça avance. Oui, vas-y. Faut retourner là-bas. C'est fermé. Attention, un gros fail. Encore une fois. Quoi ça sert de taper assez fort, plus fort. Quoi ça sert d'avoir ce mec, cet être. Il est même pas capable de défoncer une porte. On aurait pu croire, mais non. Ah,
Ah, bonjour. Salut, on cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, pas du tout, en fait, c'est... Nous sommes des touristes. Ouais, je vois le genre. Normalement, je devrais intrinsèquement procéder à votre interpellation. Et vous dresser subséquemment un procès verbal. Il dit quoi, là? Mais, mon service se termine dans 5 minutes. Alors, je vais fermer les yeux pour cette fois. Allez, circulez. Y a pas de statuette ici. Qu'on se le tienne pour dit. Toute patience a ses limites. Ah ben, merci, du coup. Une bibliothèque. Ah. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les barbares, d'accord. Je suis très occupé. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler. Cela dit... Cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi? Le Comité Coopératif de Punition des Larbins. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. N'importe quoi. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. C'est précis, votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier. Il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va vous laisser travailler. Ouais, parce que... Ouais, encore une pièce. Raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Un joli bandeau. Ben, le grand marteau, c'est pas pour lui. L'ogre doit débloquer une compétence passive pour utiliser cette arme. Ah. Et ben, on reviendra. Bonjour. Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. C'est
bizarre, toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré. Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. Ouais, en gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Wow. Bravo, vieux! Je crois que tu l'as bien! Disrupté? Il l'a quiché d'un coup même. Par contre, les gargouilles, non. J'ai vu qu'on pouvait les bouger, mais j'ai pas... Tant pis, on se casse. On va à la taverne. On va aller boire un goûter. Ces murs renferment la mémoire des civilisations oubliées et de la poussière moisie. Attends, le truc, c'est que j'entends un mec dormir, mais c'est le gardien, c'est le garde. On dirait. Ouais, je vois personne d'autre. Attendez, je fais un truc, j'ai vu qu'ils tournaient tous vers le bas, on va... Je vais aller voir ça, je vais essayer de les mettre toutes vers le bas. Et si ça marche pas, on continue l'aventure. Ces couloirs. Bon bah laisse tomber la neige. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. Ah je suis con en fait. J'ai débloqué en haut. Ah oui, mais on peut pas loin, je crois. Non, on peut pas l'ouvrir. Crévin Dieu, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse aux Bartavelles? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Perceval. Un Pékin sans H qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps. Jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, mais on marchait plus longtemps.
s'enchouiner comme des marmots. Oui, bon... Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Putain, on a même pas pris un goûter. Hé là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Ah, je l'ai déjà fait, celle-là. Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes... Oui, rien que d'y penser. Bah, si c'est des cailloux. Désolé, les clowns ne sont pas admis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arts. Ouais, c'est ça. Avec une robe de... Bon, on s'est fait refouler. Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi. Elle ressemble à une laveuse de pichet. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre... Mon cousin Trace d'huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'huile, trois bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. Oula, ton copain? De quel copain parles-tu? Bah, encore du ton voleur. Ami imaginaire qui soi-disant mange le contenu des sacs à ta place? Ils sont même pas grillés que le voleur il était plus là. Non, c'est là-bas. Et donc on va choper un ménestrel. Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. D'accord, c'est bien, faut donc, copain. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnon, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne, je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi, surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près. J'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu... prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai. L'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand soin de vêtements. Ouais. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient d'ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non!
là. El caveau. Allons dans les caves. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques ? Non, on n'a pas d'argent. Bon. Bah revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai ! Attendez, si, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas, j'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous ? Par l'harmonie du piano unique. Non ! Merde alors ! Son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique ! Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte ? Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. Il l'a défoncé. Putain, on va encore avoir des ennuis. Bienvenue à la boutique du donjon. Ou ce qui en reste, grâce à la technique d'infiltration du barbare, tu peux en profiter pour piller les réserves cette fois-ci. N'oublie pas de revenir régulièrement car la vendeuse sera rapidement remplacée. C'est une boutique généraliste dans laquelle tu trouveras de tout. Équipement consommable, mise à jour de chaque chapitre. Enfin, comme dans tous les magasins, tu peux aussi racheter les objets que tu as vendus si tu commets une erreur de manipulation. L'ogre gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Oh ben putain! Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadoum! Une robe? C'est une relique! Un vêtement pour les sorciers! Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit! J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose! C'est très adapté! Waouh, la réserve. Ça s'appelle du dépouillage. Je mette la carte à jour. Ouais. D'abord, je vais regarder. Énergie astrale, c'est quoi ça? Type d'amulette étudié par les maîtres sauciers. La prestigieuse auberge du poney qui tousse pour leur permettre de confectionner leur sauce magique sans avoir à régénérer leurs énergies. Euh...
piastres. Précision. Ah. Zut, alors. C'est le foutoir là-dedans. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Par contre, précision, c'est que. Un autre précision pour tricheur, vous êtes déjà bon. Ça fera la différence. Si vous êtes nul, restez chez vous. Précision plus 3. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Si ça sent, c'est mon mes cœur bottes. Est un livre ouvert. J'ai des noisettes pour les écureuils. Bandeau mignon. Protection 0. Oh, c'est pour moi? Merci. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Ah cool, Chrome a le même chez lui. Pourquoi ça veut pas? Attends. Ah. Attention à mes livres. Ah oui, mais non, ça a déjà changé. C'est pas là. C'est là. Ah non, on n'est plus. Lui, il y en a un. Ah oui, mais c'est. Ah oui, c'est là-bas, c'est le truc. Oh merde, j'avais pas vu. Alors. Débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le ranger. Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, gagne plus 4 en courage. Tant que le ranger est adjacent au voleur, il gagne plus 10% de chance de coup critique. Ah mais le voleur non, il faut qu'il fasse. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Elle gagne plus 5 de précision pour ses attaques à l'arc.
Tant que l'elfe est adjacente au nain. Tant que l'elfe est adjacente au ranger. Tant que l'elfe est à couvert des attaques à distance contre elle ont un malus supplémentaire de 15% de précision. Ah mais je vais lui augmenter sa... Super ! On se fait un câlin ? La précision. Alors, gnome gnome le... Les ennemis autour de l'ogre se retournent vers lui, subissant un malus de courage et ont, ont plus de chances de l'attaquer. Non. Et une remontée de gaz toxique qui inflige des dégâts légers au personnage devant l'ogre. Les cibles sont étourdies. Ça, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Tant que l'ogre est adjacent à un magicien, il gagne 10 en précision. Tant que l'ogre est adjacent au barbare, il gagne 5 en impact. Donne la position à l'ogre de défoncer les portes barricadées en bois donnant accès à des trésors. Ben voilà. On y vient. Alors. Gifle de Nanzar. Une gifle magique qui inflige des dégâts. La cible est repoussée de deux cases. Ça c'est globe d'épine. Une vigne arcanique épineuse qui augmente la protection de la cible. Et renvoie 15% de dégâts subis à ses attaques. Je progresse d'heure en heure. Ça peut être pas mal ça. Magicienne gagne 25 plus 25 en énergie astrale. La magicienne gagne plus 5 en régénération de en énergie astrale. Tant que la magicienne est adjacente à l'ogre. La magicienne gagne 25 en énergie astrale maximum. Plus 5 de régénération astrale par tour. Ah, chic! Ça, des nouvelles compétences pour que tu utilises plus de trucs. Lui, il y a rien. Le ménestrel, il n'y a pas. Et le nain, il n'y a pas. Par contre, l'elfe. Un bandeau mignon. Non. La minute de registre astral, non. Droit au but. Ça c'est pour toi. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Ça c'est pour toi. Akala, miam miam. Gadadum miam miam. Marteau. L'ogre doit débloquer une compétence passive pour utiliser cette arme. Et ben, j'ai débloqué ma attends. Il doit y avoir une truc passif pour lui spécial. Ça doit être là. Débloque l'utilisation de marteau à deux mains. D'accord, c'est là. Et lui, oh, putain, mais je suis débile. Thank you.
C'est quoi la truc passif pour la... Ah oui, mais lui il a pas... D'accord. Oui, mais lui il a pas encore son niveau. C'est pour ça. Alors. Et voilà, maintenant il peut les ouvrir. Bon. Voyons ce que ça fait. Je crois qu'il va falloir essayer autre chose. Ça va être compliqué. Ah. Je te remercie de passer du temps à m'expliquer des choses. C'est normal. Entre filles, il faut se serrer les coudes. J'espère que ça fait pas mal. Ah oui, quand même. Ah mais le truc c'est ça, il faut le faire dans l'ordre. Ah ah. On a trouvé. Au pillage. Oui, ça va prendre un peu de temps, mais bon.
Ça va, on en a déjà trouvé plein. C'est interminable, tous ces couloirs. Encore une victoire de l'intelligence. Et j'ai même pas utilisé celui-là là-bas. Ok, je suis là, il ne fonctionne pas. Bon. Les ennemis. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis! Ce sont là les pires tipendiers. Perceval, il fait beaucoup de bois. Faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Assez parlé. À l'assaut. Alors. Ça, c'est le ranger. Que nous allons mettre. Bah là. Gongroom, il va se mettre. Là. Toi, tu te mets là. Mais non, qu'est-ce que je fais moi? C'était toi que je voulais mettre là. Non, puis c'est bon. Je vais te retourner comme un gant. Alors. Ils sont tous planqués. J'attends qu'ils arrivent. Partir, non, mourir, oui. Allez, à moi. Oh, j'avais pas vu. Bah voilà, ça va être la fin de l'aventure, hein. On est tous morts. Je le sens gros comme une maison. C'est parti. Ah!
qu'à la volo. Ah bah oui, je suis con, je suis déçu. Ah mais ils sont tous mal au point. Surtout l'elfe. À moi. Alors, bah voilà. Salutations, belle personne. On va se reculer, hein, on va tous... On va tous éviter le feu. Oh, monde de merde. À moi, vermine. Monde de merde. Avoir ta gueule. Ouais, faut reculer les gars. Me voilà. Ah oh putain, c'est sur un, c'est sur quelqu'un. J'aurais même pas dû faire ça, j'aurais dû reculer quoi. Oh là là. Échec critique. Ouais, j'aurais dû reculer. Ah oui, ouais, ouais, si, je vais reculer. Ah, pff, attaque d'opportunité, j'oublie toujours. Bon, le nain est mort. Ah oui, le nain est très mort même. Comme il est dans le feu. À moi. Aïe aïe aïe.
Elle se déplace. Pauvre compagnon mal faussé, condamné à puer des pieds. Ah oui, non, c'est... Ah ouais, non, ça va pas. Je mouche un morpion à 800 pas. Ah, le feu est parti. Allez. Aïe! Mes beaux rubans se consument! On sacrifie Grom. Prends ça, Bobiette! Ah, c'est dommage. Loma, Agvo, Jimmy. Glurg. Cool. À moi. Il l'a tué avec l'attaque d'opportunité. Même pas mal. Ouais, faut que je me mette quelque part... quelque part de secure. Tant pis, hein. Lui, il faut le tuer, lui. Oh non, j'ai critiqué. Bon, on a perdu. Putain, tout ça à cause de l'explosion du début. À 800 pas. Explosion du début, elle nous a...
Foire pas. Voilà. Ah, il y avait du poison, voilà, comme ça il est empoisonné lui. Ah non, je suis un débile profond. Combien je le touche? Allez, foire pas. Oh putain, j'ai critiqué. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. C'est normal. Ah, il aurait dû mettre une zone. Je suis débile. Il aurait dû mettre une zone. Il a loupé. Il aurait dû mettre une zone. Je fais ça, il meurt pas.
ça l'a pas touché, ça servit à rien. C'est génial. Va me tirer dessus. Laisse-moi, c'est cool. Oh non. Je suis content de ma stratégie. Lame courte. Un bouclier pour le truc et une lame pour... D'accord. Et je les soigne pas. Parce que on va remonter à la taverne et je vais les faire. Je vais les grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là ? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. D'accord, gros meuf, t'abandonnes, miam miam. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien... disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon. Et qu'il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux? On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Inventaire. Le bouclier. Pourquoi ça marche pas? Le ranger doit posséder une compétence passive de bouclier. Alors, c'est qui a eu le niveau? C'est le barbare. Baston inflige deux attaques successives à l'ennemi. Un cri puissant qui augmente la précision du barbare. Et des alliés à proximité. Donc, on va mettre je ça. Je suis plus fort. Débloque l'utilisation des armures en cuir.
Je suis balèze. Le nain, toujours pas. Ça. Ah, c'est le ménestrel. Ça, c'est déjà fait. Là, c'est déjà fait. Lui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Alors, protection 1. Protection 4. Ouais, ça va poutrer grave. Bah, quand même. Clémor, 25-39. Tout ça, ça va. Frontal, 0, 2. Voilà, une petite lame. Comme ça, s'il y a quelqu'un au corps à corps, elle va pouvoir lui mettre un petit coup de surin. Toi, avec ta robe. Ouais. Ça, c'est pour le truc. Toi, le bouclier, tu peux pas apparemment. Bon. Go la taverne. La taverne du mouton qui tousse. Ou je sais plus comment c'est. Ouais, je crois que c'est le mouton qui tousse. Ok, je regarde vite fait. J'ai des noisettes pour les écureuils. Mon cœur. Touche pas à mon or, c'est mon précieux. Ouais, l'équipe est morte. Bonjour. On va pioncer. Bam! Tout le monde est rétabli. C'est ça, hein? Impeccable. Bon, voilà, on va s'arrêter là, en fait. Oh! Ouais, Faudrait. Pardon. Je sais pas si. Commercer, est-ce que je peux vendre? Ah oui, c'est la vente. Ouais. Ouais, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je déciderai tout à l'heure. Enfin, quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, que. Faut que je réfléchisse. Est-ce que je fais un let's play, on va dire, ou est-ce que c'était juste une découverte, je suis encore indécis. Au pire, vous le saurez, hein, si vous voyez épisode 1, voilà. Donc, voilà, bah, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. On verra, ouais, on va sûrement en refaire, en fait. L'humour est présent, ça me fait plaisir.
je retrouve des petites sensations que j'avais quand j'écoutais le MP3, comme je vous disais au début. Et le fait de se promener enfin dans le donjon, c'est énorme. Pardon. Va falloir que je fasse plus attention là. Le dernier combat, on a eu une explosion de feu à cause d'un bidon, machin. Ouais, va falloir commencer à faire attention. Donc voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Et à